pas les mêmes. Oh, arrête, tu vas pas faire une nouvelle vidéo, c'est de la merde tes vidéos. Je vais te faire ta gueule. Oh, il y a Arthur qui m'énerve derrière mon palais Bleu-Blanc. J'espère que vous avez tous raison. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de débrief de la Coupe de France, les 32e de finale Bourges-Lyon. Un match à piège pour les Lyonnais. On découvre la composition des deux équipes. Celle qui va nous intéresser le plus, ce sera celle de l'OL. Allez. Je suis portant de Bourges, vous regarderez la compo. Voilà, et qu'est-ce qu'il fait là avec ses pantoufles, bref. Allez, avec Lopez, avec le brassard de capitaine ce soir, exemplaire le capitaine lyonnais du soir, Marcel Denayer et Oumar Soulet, qu'il faut à tout prix dégager côté lyonnais, pour la défense centrale, avec les latéraux Dubois et Mendy. Mendy autant d'un très très grand match. Ndombele, Kakré et Papchek Diop pour le milieu de terrain. Bref, sur la compo, elle est un peu bizarre, c'est bizarre. Bref. Terrier et Dembélé en attaque. Dembélé lui aussi qu'il faut à tout prix virer. Ballon d'or. Ballon d'or de quoi de mes bœufs. Voilà. Donc on va commencer sur des chapeaux de roue avec plusieurs occasions lyonnaises comme à la 4ème minute. Un ballon dans la profondeur qui va être remis en retrait. La remise en retrait de Terrier prend Dembélé d'une volée. Oblige Mokando à faire la parade. À sortir un arrêt. Arthur, merde, bref. À sortir la parade, 22e minute, 23e minute, la frappe de Terrier, ça va passer juste à côté, 32e minute, centre de Dubois, Dembélé qui rate encore, nul à chier, après un bel enchaînement. Ils sont branles. Après un bel enchaînement, bon bref, il y a tout le monde qui m'embête, ça me casse les feux. Donc 34e minute, Dembélé, ça passe à côté, il en a raté je sais pas combien lui. Bon, 41e minute, corner et la tête Bourgiolin. Heureusement, on peut dire plusieurs, il y a plusieurs trucs qu'on peut dire de nom pour les gens de Bourges. Il y a des trucs qui volent. Il y a des trucs qui volent dans cette pièce. La parade exceptionnelle d'Anthony Lopez. Et en tant qu'archi chauvin, j'ai déjà prévu qu'il soit boost dans FIFA la semaine prochaine dans l'équipe de la semaine. J'afficherai là la carte. J'ai fait pour rigoler. Bref, la parade du meilleur gardien au monde pour moi. Et donc ça va se finir comme ça cette première période avec des Lyonnais qui ont manqué à la finition et qui auraient bien pu se faire surprendre. Et ça aurait pas été démérité de voir Bourges mener un but à zéro sur le temps que Lyon rate trop d'occases et va devoir être plus efficace en seconde période. Bref, la seconde période, ça va être toujours pareil. 46e minute. Dubois but sur Mukando. Mukando, ouais, à peu près dès le retour des joueurs. Voilà. Puis encore quelques minutes après, Dembélé qui frappe, mais le ballon passe à côté, inratable. Voilà. Après un caviar de Dubois, il me semble. Voilà. Mendy qui est lancé avec un grand pont, avec sa vitesse. Il va faire parler ses jambes. Il va donner le ballon en retrait pour Martin Terrier qui va délivrer. Le peuple lyonnais a fait un but à zéro. Et là, on se dit que Lyon a fait le plus dur. Mais non, on va voir vraiment de la folie dans ce match avec à la 60e minute. Un centre tir dévié par Anthony Lopez. Encore sur sa transversale. On va avoir encore un centre. Et Lopez qui touche du bout des doigts. Heureusement, parce que ça aurait pu. Derrière, il y avait le bourrin Bourgelin qui aurait pu bien suivre. Mais ça va revenir, mais Fernando Marsal qui sauve ce ballon en le dégageant en corner. Et sur ce corner, on va avoir. 3-4 occasions, la triple parade d'Anthony Lopez. Encore exceptionnel match du portier lyonnais. Avec 77e minute, Terrier du bout des pieds pour Dembélé qui rate complètement son occasion. Ça va revenir pour Fernand Mendy qui va ajuster le gardien. Ça fera 2 à 0. Là, c'est fini. Le match restera comme ça à part la 91e minute. Dembélé du plat du pied qui va encore rater Dembélé, le centre de Dembélé pardon, pour avoir qui du plat du pied rate son occasion. Donc Lyon manque de réaliser. C'est pour remercier son gardien, son portier le meilleur au monde, Anthony Lopez, qui l'a sauvé, qui a sauvé son club. Et félicitations à ces joueurs de Bourges à qui je leur souhaite la montée. Voilà, on va les applaudir. Ils ont 8 points d'avance, il me semble, un truc comme ça en National 3. On va leur, bon, allez, ta gueule. On va leur souhaiter qu'ils montent et qu'ils montent, qu'ils ont de leur vie. Voilà, c'est beau de voir ces petites équipes qui ont réussi face au gros. Il y a déjà 3 samedis, hier, au moment où je tourne la vidéo, 3 clubs de Ligue 1 éliminés par des petits. C'est déjà très bien. Bon, pour Lyon, très
très bien. Enfin, c'est bien que les petits clubs réalisent ça. On espère encore voir un petit poussé au Stade de France cette année. Ça serait super. Et voir Lyon aussi comme en 2012. Allez, donc maintenant on va voir les tops et les flops. Mendy, j'avais déjà préparé la carte boost, hein, elle s'affichera là aussi en tant qu'archi-chouvin. Les tops et les flops, c'est tout de suite. On va pas mettre l'arbitrage notamment dans les flops, mais dans les tops, parce qu'il a été très bien l'arbitrage, j'ai rien à redire dessus. Mais il y a, on va mettre bien évidemment Martin Terrier et Fernand Mendy, on va les faire les deux en même temps. C'est les deux hommes lyonnais hier qui ont permis à l'OL de s'imposer. L'un qui donnait des caviars à Dembélé qui a raté tout le temps. Et qui a quand même marqué, et l'autre qui a fait un but et qui a marqué un but et qui a mis une passe D, c'est les deux hommes lyonnais pour en tant que joueur de champ. Voilà, très beau match des deux, les deux hommes de ce match pour les joueurs de champ. Le joueur qui n'est pas de champ, c'est Anthony Lopez, aussi l'homme du match, carrément homme du match, carrément parce que sans lui, l'OL aurait peut-être sombré. Exemplaire, le capitaine lyonnais hier. Un capitaine en l'absence de Nabil Fekir et d'Antonio Guedes, Philo Marcelo, mais voilà, c'est un très grand gardien, c'est le meilleur au monde, selon moi, je le redis encore. Voilà, très grand match. 6-7 arrêts, c'est très bien. Il n'aurait pas dû avoir lieu, on voit que Lyon peut être bousculé, donc les petits, il faut en prendre de la graine. Mais des fois, on a vu Lyon très fort et qui était imbougeable. Bref, voilà. Alors, les deux flops. Nul à chier là en défense, il ne sait pas faire une interception qui, à part une fois, qui a bien défendu une seule fois en imposant son physique. Autrement, il a fait que des conneries, perte de ballon dans l'axe, tout. Bon, il s'appelle comment? Il s'appelle Oumar Solé. Et l'autre, monsieur qui rate des occasions, c'est pire que Maxwell Cornet. Il a dégagé, c'est pareil. Il s'appelle Moussa Dembélé, 22 millions là-dedans. C'est aussi pire que Gourcuff, voilà. On retrouve les mêmes mecs, on met 22 millions d'euros dans un joueur pour qu'il rate 10 occasions. Franchement, beau vieux à avoir gardé Jean-Philippe Pateto, mettre ce mec. Moi, il marque. Alors, je rigole, mais bon, ouais, c'est vrai qu'il marque. Mais voilà. Donc, c'est tout pour les flops. Un qui est nul en défense, un jeune soi-disant prometteur, mais qui fait rien, c'est là qu'il doit se montrer. Et l'autre qui rate tout, il y en a ras-le-bol. Voilà, on va se dire au revoir. Si tu veux que José ferme sa gueule, mets un like, abonne-toi à la chaîne. Oh, et Arthur qui m'énerve derrière. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et on se retrouve dès mercredi pour un vlog. Enfin, la vidéo sortira mercredi. Le vlog pour la Coupe de la Ligue. Ouais, je veux voir le match. Bref, allez, Kishel Pali, à la prochaine. Salut.